Donc au Jardin d'Alice pour la troisième performance de Stefano Canapa qui présente un triple écran qui l'intitule Petrolio et qui pour sa troisième séance est accompagné par un musicien, une musicienne ici présente, qui va jouer du clown. On va rencontrer peut-être tout à l'heure un peu la musicienne qui accompagnera donc ce triple écran. Je voulais juste rapidement laisser la parole à Wilfried ici présent qui vous parle un peu de ce lieu très rapidement avant de lancer la séance et de sa parole à Stefano. Bienvenue au Jardin d'Alice. Un micro. Bienvenue au Jardin d'Alice. Non, mais c'est bon. Bienvenue au Jardin d'Alice. Voilà, c'est un espace, c'est un squat d'artistes qui existe depuis mars dernier, mars 2009. Et donc voilà, qui avec ce superbe jardin de 100 mètres carrés et ses ateliers sur différentes disciplines. Il y a des sculpteurs, des peinteurs. De la déco, voilà, des choses comme ça. Voilà, et puis on est ouvert, en fait, l'espace est ouvert à ce type de projet, comme ce soir, le projet amené par Braquage. Voilà, une excellente soirée à tous. Personne. Donc, juste deux mots pour vous présenter la soirée. Donc, c'est le troisième volet avec Liu. Qui accompagne Alachita Pichini. Pour nous, c'est une rencontre. On a répété une fois ensemble, donc ça tient aussi bien de l'improvisation que comme l'écran. Juste le déroulement de la soirée qui va être pas très longue en fait. Liu ouvre avec un morceau à elle qui s'appelle Ivrogne, sur lequel je vais profiter pour montrer quelques images que j'ai fait lors de notre rencontre. En fait, c'était un concert que je donnais à la Maison de la Culture du Monde. Et c'est juste l'occasion de montrer ces quelques images très courtes à noir et blanc. Par la suite, on va projeter le film de Paolo Joly. Donc le titre est Del tuffarsi e dell'annegarsi. Bon, voilà, vous pourrez vite comprendre la filiation et les rapports qu'il y a entre ce film et Petrolio. C'est pas vraiment une inspiration, mais après coup, il se trouve que il y a des résonances assez fortes. D'autant plus que il n'y a pas tellement de monde qui continue à faire du cinéma expérimental en Italie. Après le film de Paolo Joly, Liu va chanter une chanson. Et par la suite, on commence avec la performance Petrolio. Comme disait Sébastien, je travaille avec trois projecteurs. Et c'est à partir d'une séquence qui a été filmée en Italie. La séquence elle dure 2 minutes a priori, au départ, et après il y a un travail, il y a une déclinaison de ces images. Bon, bonne vision et puis à plus tard. Ouais. Thank you.
Thank you.
Thank you.